Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Alors, actualité Ezalie Belé. Alors, avant la bande, programme na biso na lingi, d'abord, on a répondu à ndeko moko o ezaki na préoccupation na ye sur makambo o ezole ka na ambassade na biso ya Congo en Angleterre. Alors, dernier malanda ki programme alobi ke no pasteur fait na tanga ba kombo ya ba ventiré oyo bazora mbongo ya ba tulibanda pona ko sara ba tuko pesa ba ngomba visa. Et où mela. On a habité, Bapiriste en a tant à comboter, mais Bande Guana Bayoki quand même, mais l'eau moro si qu'on a l'impéna le bilan, on a vu bon son abîme à tant à commonaïo, que yom tous en a baisé pendant la préoccupation au CP. La bite n'a pas autant à commonaï pour mettre parce qu'il a besoin, non, parce qu'il y a ce voyage en septembre, il faut pas que ça visa n'est normal. Alors on a expliqué qu'il y a une de Guana comme une mandiang. On a expliqué les problèmes, mais ça qui est, Dengueza Awa, tant balobi. 15 jours, ce n'est pas 2 semaines. Donc 15 jours, ezali neti 3 semaines. Donc de lundi à vendredi, ils ont 5 jours, semaine mobimeleki. De lundi à vendredi, sous semaine, deuxième semaine, ça le quoi neti 10 jours, donc deuxième semaine. Donc de lundi à vendredi, à troisième semaine, ezali 15 jours. Donc cela veut dire, ezali le quoi neti 3 semaines. Donc c'est ça, pour na cause la visa, na, il faut compter au moins 3 semaines. Et puis, le problème est que ceux qui ont coûté ici, donc, il faut que là-bas, ben, il n'y a aucun de vos visa. Alors, ils ont un déco, moro soussou. Il y a deux semaines passées. C'est que, bino, kaka, bandeko, wana, ndeko, wana, moi, na tchangu, wana, moi, na tchangu, bana tchangu, bah, ou ça, mon boulot, tout, même, na kin, moi, na tchangu,
osalaka na ambassade te ozui 300 livres ya ndeko oyebisi eke akozwa visa na 48 heures alors visa ba pesaka na 48 heures te donc kosaki ndeko alors les promesses alors que ndeko wana apesi yo mbongo mercredi vendredi aye pe na ambassade aye kosenga visa alors ezalaki vraiment étonnant ba pesinga dossier yango mais nazo peso ka ba remarque ka prochainement na otanga comme na mona changu wana donc ba yebisi ndeko ba bité tant ba ekota la numéro ba moni ke donc osalaki pe bien tout yo o pesa ki pe na dossier et koti o futi pe 60 livres donc yo tika na 240 livres ya ser wana o tchono na poche likolo ka sera ko kine ko zo invitation na na kisasa te ezana ngo ndeto zo ba pri invitation na ezana ngo facile o ko bisata mo na 10 ans te ya 12 ans akomilo ata na lingala abiki nazo bengisa ndeko na ngana chene tine titi nazo bengisa ndeko na ngati tazo na kisasa akovanda na adresse boye 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 akomili mora passeport na yo akina ngo na na faire étranger sur kika na 20 dollars na yo ba ko peso le même jour osa même pas une heure de temps na libanda na 20 dollars na yo au PC hein ba ko beto lo kashi wana donc comme illégalisé biso na ki nezana ngo problème te minute ale ba ko zongo kaka ba faxe ngo na 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 email na yo oziongo mbala moko donc izaka izayelo kaka ba minute kaka ba air au salama na yo donc sala milio 20 dollars na yo futi na ona na nini na 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 affaire étrangère ba légaliser nini wana makambe aussi la pourquoi parce que za lokani tika ke ba osa la contrôle ba ngiba ba toute personne et si kazo kende alors ndé na lobike ceux qui visent ngozwa 15 jours 15 jours za lokani 3 semaines tant au 15e jour eko kazela pe ba benga yo tant ba benga yo ndo ke za visa na yo eza na ngaka na pri a 60 livres ko pesa ba te ba mbongo na libanda te po bazoli ya bile ba mbongo pour rien alors na rose donc la dossier sur hermonasi mandiango oza satisfait na lobby yango. Alors cela m'amène à un verset biblique où yo te repartager le logo sur un des mots dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3 bisson de suite yebi chapitre wana to yebi passage ango to le bele larango on les connaît tous et la Bible nous dit ceci dans Jérémie 33 chapitre 3 la Bible dit ceci invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Très important, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 33, chapitre 33, verset 3. Dieu dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, les lona mokili les gens bazolo ba ke ndire ke nzambe a répondre ka batouté, nzambe a yuka kate, nzambe azo salaté. Mais le problème est que batou tangou la Bible nous dit dialobi invoquez-moi et je te répondrai. Mais nous, même les chrétiens, au lieu d'invoquer Dieu, les gens n'invoquent pas Dieu. Il y a une différence entre invoquer et complaindre. Donc, au moment où les lobes prient, les lobes mingent, comment les gens sont en train de complaindre. Donc, invoquer, selon la dictionnaire et le Bible, appeler une puissance surnaturelle par des prières. C'est ça l'invocation. Quand quelqu'un se tient devant l'Éternel, il est en train d'invoquer son Dieu. Tu appelles une puissance surnaturelle par des prières. Et Nzambalobi, quand tu es en train d'appeler cette puissance qui est surnaturelle, et moi, Dieu, je dois te répondre. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu d'invoquer, mais ils sont en train de faire des complaintes devant l'Éternel. Voilà pourquoi ma kambouba prière, ils ont matité, parce que Batou Baza qu'on invoqué Nzambete. Ça la complaint. Complaint est la xinine. Complaint est la dissatisfaction. Na eloko yozo se pernangote. Na likamumoko boyozo. Ezo semble yo. Oza lango d'accord te. Oza la complaint na yo. Alors la Bible ne nous dit pas ça. Dieu dit ceci. Pour qu'il te réponde, il faut l'invoquer. Au côté na présence na nzambe. Ozo ko invoke. Ozo so la yo na nzambe. Eza te lelo de l'okwa. Ozo mouna na kati na prière. Si tu es en train d'invoquer une personne surnaturelle, téléphone est collé là, yo, au côté de la téléphone, au fini peut répondre.
Non, dans la prière. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu n'invoques pas. Quand tu invoques, tes yeux sont élevés devant l'Éternel, le Dieu créateur. Aux gens qui ont invoqué Nzambe, et Dieu va te répondre. Bien-aimé, la réponse de Dieu, Ezali Ezowuta, selon comportement nayo, selon présence nayo dans sa présence. La Bible est aussi tu es invoqué. Tant que tu es invoqué, tu as Nzambe, tu as répondre. Et puis Dieu a l'obiboye. Tu as révélé pas seulement des grandes choses, pas seulement des choses, mais n'a qu'on révélé des grandes choses. Alléluia. Des grandes choses. Et le bini que bah grandes choses. N'a ma kambo yo yebite. Ben mais tant na talaka, les choses que moi je connais, les choses que moi je vois, oyo batu ba yebite. Aux hommes que les gens sont en train de discuter dans les néants. Mais Dieu m'a révélé des grandes choses. Dieu m'a révélé des choses cachées. Que toi, tu ne connais pas. Voilà pourquoi, quand tu es une personne, tu veux la réussite dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, il faut savoir comment invoquer les dieux d'Israël. Il faut savoir comment entrer dans sa présence. Il faut savoir comment prier, parce qu'invoquer, c'est aux côtes, la prière, la puissance, c'est surnaturel. Et c'est Dieu-là, il te répondra. Et puis, à quoi révéler yo, bah, grandes choses bien-aimées dans le Seigneur. Pas seulement des choses, mais des grandes choses. Et puis, bah, choses cachées. Il a des secrets dans la vie. Il a des secrets dans ce monde que le monde ne savait pas. Après prédication, yo, je vais vous montrer des secrets que le monsieur Honoré Nguan avait parlé dans l'interview à Sala Kinaja Marie Kassamba. Bourouyo, comment va secret, moussous, bourouyo, kango? Alors, pour que vous avez ma vous avez un peu peut-être que vous avez bien noté. Alors, je suis en train de dire, il y a des gens qui ne connaissent pas les secrets pour que vous avez ma réponse. Il y a ma kambo ou bazo luka. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ta vie? Tu cherches la guérison. Quand je suis en train de l'invoquer, la Bible me dit, c'est lui le Dieu qui guérit. Il va me guérir. J'entre dans sa présence. N'est-ce qu'on complaint d'été, mais je suis en train d'invoquer une puissance surnaturelle. Et qu'il y a quatre langues, et qu'il y a la maladie loin de moi, et qu'on pousse tout esprit où il y a ma bezo dérangé. Alors, j'ai écouté un témoignage d'une sœur, notre sœur Viviane, j'ai parlé avec lui, à la petite sœur, il y a pasteur Nabiso Modeste, il y a Yembarana chorale. Et quand elle chante dans la chorale, la Bible dit, dans Batuba Lobi, Batu Église, la Bible dit que quand elle chante, Akangi Misu, Tomo, Lakamisu, Azu Yemba, côté la présence dans Nzambe. Donc, à côté de la présence dans Nzambe, alors, Makamoure Kouela qui est, Apika qui crise, il fallait Koufa, Batuba Dote, Babi, Akoufa, Makoufa, Te, Abimi, mais pas disable, en forme, en bonne santé, je l'avais vu l'autre fois. Si Dieu le veut, il viendra témoigner sur lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, Nazo Tike la yo, message après-midi dans l'élo, oui, bah, kokota la présence dans Nzambe. Oui, bah, ko invoke. Quand tu invoques, Dieu va te répondre. Quand tu entres avec une puissance surnaturelle, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alors, God bless you. Boulanda ba révélation oyo, Nazo Zong la bino after ba révélation wana, et see you. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. En allant commencer par Matadi et Kitona, est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'inverser, le pouvoir, et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Ils ont voulu l'inverser, le pouvoir, et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui.
C'est pourquoi on parle de, des histoires de Berlin II, des frontières perdues. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Je vous en prie. Je pense que on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, « It's like a district of Uganda ». C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda. Puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle le Bufumbira, ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ceux qui veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont les meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Mais pas qu'on utilise la violence pour arracher notre pays et l'annexer au Rwanda. C'est ça que je dénonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dénonce dans la transition actuelle? C'est l'infiltration, c'est l'instrumentalisation de cette transition. Cette transition aujourd'hui, Kagame, au niveau militaire de l'armée, tout le RCD, c'est l'émanation du Rwanda. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un Congolais qui a créé le RCD. C'est Kagame qui a décidé la création de la rébellion de RCD après l'échec de l'attaque de 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. Je parle de Kagame avec ses acolytes et des puissances qui sont derrière pour vouloir, qui veulent balkaniser notre pays et annexer l'est de la République démocratique du Congo. Si les Congolais veulent réellement que nous sortions de là, il n'y a pas de Mobutistes, il n'y a pas de Kabilistes, il n'y a pas de Tshisekedistes, il n'y a pas de X ou Y. Il y a le problème des patriotes congolais qui doivent prendre conscience qu'actuellement, nous risquons de perdre définitivement le pays. Et si nous voulons tant soit peu garder la souveraineté de notre pays. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rouchereau de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnette sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci.
Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir, ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par deux fois. À l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour que il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparé puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OIE. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites Lukande, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur.
yo seko oh ole ki bango e ole ki bango e ole ki bango e ole ki bango e to vota kutuke election kutuke aya e Yeah.